Question, ou plutôt mise en situation. Nous sommes début décembre et je décide d'acheter un sapin sur un site qui vend des sapins artificiels de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Je ne prends pas de risque et je choisis finalement celui qui est le plus vendu sur le site. Juste avant de confirmer le paiement, je vois indiqué sur le site que les articles qui y sont achetés ne sont ni repris ni échangés. Malgré ça, je confirme quand même mon achat. 3 jours plus tard, on me livre le sapin, mais avant même de l'avoir déballé, je me rends compte qu'il n'ira pas du tout dans mon salon. Je souhaite donc le renvoyer, mais je me souviens que sur ce site, les articles ne sont ni repris ni échangés. Question, le site a-t-il le droit de refuser que je retourne mon sapin? Réponse A, bah oui. Ou réponse B, bah non. La bonne réponse est la réponse B. Le site ne peut pas refuser le retour du sapin car la loi prévoit qu'en cas d'achat en ligne, le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation qui lui laisse 14 jours pour changer d'avis. Le vendeur peut bien entendu vous offrir un délai de rétractation plus long que celui prévu par la loi, mais il ne peut pas le supprimer, vous le refusez. Sauf, parce que oui, on est des juristes, donc y a souvent un sauf. Sauf si l'achat porte sur un bien ou un service pour lequel la loi a prévu qu'il n'y avait pas de droit de rétractation. Je vous mets la liste et vous verrez par vous-même que là, ça ne rentre pas dans le cadre d'une exception. Donc, la rétractation est possible tant qu'elle est faite dans le délai.